Bien, donc trois petites nouveautés qui sont sorties de chez Action. Trois nouveaux modèles. Donc vous avez celui-là, le rose, le Princess Palace, le Botanic Tower et le Tea Party. Donc c'est trois petites nouveautés. Parce que sur le site, on voit plusieurs choses, mais bon, apparemment, c'est de petites miniatures. Mais apparemment, c'est des trucs limités. Que je comprends pas trop parce que apparemment personne n'en a trouvé, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc par contre ils nous ont sorti ça. Ça a l'air pas mal. Les boîtes, le packaging est vraiment super sympa. Donc on va déjà ouvrir, bah, au hasard, on va faire celui-là. On va voir un peu comment c'est présenté dedans. Au départ j'ai cru que c'était déjà tout fait. Puis non, il y a marqué DY, donc obligatoirement il y a des choses à faire. On va mettre sur le côté. Alors, déjà, nous avons la cloche, le tube à plexiglas. Nous avons une notice qui semble très très épaisse. Ça, c'est le support avec, qu'est-ce qu'on a comme pile derrière? Deux piles N5. Ah. Ok. Et donc, ça fait quoi les piles? C'est que pour la lumière? Peut-être. Je sais pas, je vais voir. Et nous avons donc. Il doit y avoir. Je sais pas s'il y en a un là. Ça, c'est sûr, il y en a un là. Oui, il y a le haut aussi à monter. Donc, je vais pas tout défaire maintenant parce que j'en ai un déjà en cours d'une petite miniature. Donc, je le ferai juste après. Puis, j'ai déjà des choses à présenter. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq planches quand même. Donc, il y a du travail à faire, mais on va vite le savoir par rapport à la notice. Donc, le découpage, ça c'est un peu tordu, c'est dommage. Donc, ça, je suppose que c'est le bas pour faire le sol. Il doit y avoir de l'herbe dessus. Le premier étage, comme ça. Donc, on a quand même un peu de découpage. Pas énormément non plus, apparemment, quand même. Voilà. Et celui-là, c'est lequel? Alors, c'est le celui d'en haut ou celui d'en bas, je sais pas. Écoutez, on verra ça au fur et à mesure. Nous avons la notice, on va quand même un peu regarder ce qu'il y a dedans. Donc, l'herbe, le feuillage, la fausse terre, il y en a pas mal. Donc, tout est un peu. C'est bien de faire ça aussi parce que après, tout est. Un peu froissé, donc des petites fleurs, des perles, du papier crépon, bien sûr. Là, il est bien froissé, il va falloir que je le mette à plat. Ensuite, ah, et voilà, on a de la peinture à faire. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que, ouais, je sais pas si. J'espère qu'elle couvre surtout parce que ça me fait penser un peu aux peintures par numéro et parfois on est un peu surpris que ça couvre rien du tout. Et donc là maintenant on a des fils de fer. C'est quoi? C'est pas une ampoule, c'est des petites LED et il y en a. Je vois pas bien, ils ont fait un nœud avec. Mais bon, il n'y en a plus une, deux, trois, quatre, cinq. Au moins 6, donc je pense que ça doit bien éclairer toute la zone comme ça du petit ce petit diorama au final, hein. Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup? La notice est ultra épaisse, alors j'espère que bah, qu'il y en ait beaucoup ou pas, je sais pas, mais on a du montage, des fleurs à faire. Encore que ceux-là sont faciles à faire. Ceux-là sûrement moins. Il y a encore du petit montage de meubles. Donc je n'avais pas d'explication. C'est vraiment juste par les images. Après, c'est à nous de trouver et de chercher ce qu'il faut dans toutes les pages. Alors, petit bureau aussi, là, il y a à faire. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire, quand même, hein. Je pense que ça va durer un petit moment, quoi, on va dire.
une fausse échelle, encore un petit armoire, je l'ai même pas vu là. Ah si, elle est en haut, d'accord, je comprenais pas. Donc en plus ils vous mettent une image du final, donc ça c'est bien parce que quand on fait le travail, on peut se repérer à peu près où vont les choses, ça c'est bien ça. Parce que même si en regardant la première page, on voit pas toujours comment c'est agencé à l'intérieur. C'est pas mal, ça c'est une bonne idée ça. Ah, il faut peindre le socle aussi. Sur du plastique. Je suis pas sûr que. Enfin, de toute façon, c'est pas grave, j'ai plein de peintures ici. Mais bon, je ferai quand même le test pour ceux qui n'ont pas d'autres peintures. J'espère que ça couvre parce que là-dessus, sur du plastique, c'est pire. Enfin bref, on verra bien dès qu'on s'y attellera. Donc je suppose que les autres sont à faire aussi. Là, le rose et le bleu, il y a des grandes chances. Donc dans cela, vous avez de la peinture à faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est protégé avec le plexiglas. Là, c'est sympa. Ça change un peu de tout ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà tout ce que vous avez sur un seul. Donc je suppose que les autres, de toute façon, c'est exactement la même chose. On va juste ouvrir celui-là pour voir, pour être sûr quand même. On ne va pas les mélanger parce que ouais, c'est pareil. Et vous avez aussi la peinture dedans. Par contre, le pinceau, bon, déjà là il fait un peu la tronche. Je pense qu'il c'est mieux d'avoir ses propres pinceaux hein. Sur Amazon, vous en avez des pas très chers et franchement de très bonne qualité. Ouais, c'est le même système hein. Donc il faut aussi peindre le socle. Par contre, les images sont belles, franchement, très bonne qualité, bien épais. C'est bien fait quand même hein. C'est très joli hein. Alors après, c'est un choix hein. Soit on fait les trois comme moi je fais d'ailleurs. Soit on choisit vraiment celui qu'on veut faire. Après, ils sont quand même un peu plus chers que ce qu'on achète d'habitude. Ils sont quand même à 12,95 je crois ceux-là. Ça fait un peu plus cher. Vous avez bien là, dans celui-là il n'y a pas d'herbe, il y a du papier et du bois. Oui, encore du montage à faire hein. Je vais pas mélanger les choses parce que après, quand on cherche, on ne trouve plus rien. Voilà. Une petite présentation vite fait avec le bleu. Ils sont aussi. En fait, les trois sont sympas à faire, je pensais. Donc, voilà pour le bleu. Alors. Il y a des arbres là, non? Ah ouais. Il y a des arbres. Donc, à remettre, bien sûr, dans le. Dans le contest de la boîte, alors je sais pas, on va regarder sur la boîte. Ouais, en fait, il fait toute la longueur, il va jusqu'en haut, il sort même du dessus là. Et donc là aussi, vous avez des petits meubles, chaises, tables, échelles, enfin, il y a pas mal de choses. Le socle, bien sûr, toujours à peindre. Il est joué aussi, celui en bleu là. On va voir un peu les dessins. Donc là, vous avez plus d'herbe. Oh, c'est bien fait quand même. Là, il n'y a pas trop de découpage. Ça, c'est le même système. Il faut découper autour. Alors, il y a des lames de cutter qui coupent bien parce que même au ciseau, là, c'est quasi impossible à faire. Et après, c'est collé et on y met des tiges et tout ça dedans. Si vous êtes habitué à faire ce genre de construction, vous n'aurez pas de mal. Il y a des petits panneaux, j'ai vu aussi à faire. Ça par contre, les dessus à mon avis ça doit être très très fragile, donc attention, en plus il faut les peindre aussi, donc attendez que ce soit bien collé. Et comme je le dis toujours, moi j'utilise ça hein, pour le bois, parce que vous avez un petit temps court, mais vous avez un petit temps court pour mettre le bois en place si vous êtes trompé ou quoi que ce soit, mais en même temps ça colle très vite. Donc j'utilise quasiment que ça. J'ai essayé plusieurs colles, même celles qui vendent à les colles blanches qui vendent à Action, j'aime moins. Après c'est chacun voit comme il veut. Voilà, donc dans celui-là aussi pas mal de boulot.
faire un choix des trois, j'ai pas pu le faire, donc du coup j'ai acheté les trois. Mais donc là, à peine aussi, hein, il n'y a que quatre couleurs, ben celui-là. Pensez à prévoir vos piles AA parce que c'est pas celle qu'on utilise d'habitude sur les miniatures. Il y a de l'herbe, il y a les choses comme ça là qu'on connaît tous. Hein. Donc, hop. Coup de pied. J'ai pas vu d'ampoule celui-là. Pas des ampoules. Ah si, 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 il y a des LED. Même tous, de toute façon, il y a des LED normalement. Hein. C'est pas... Voilà. On peut le ranger. Hop. Donc voilà, je vous ai fait voir un peu toutes ces choses qui viennent de sortir, qui semblent bien sympas. Ça a un diamètre donc de 12 et une hauteur finie de 24 cm, ce qui est pas mal quand même. Les petites fleurs à faire, petite armoire. Il y a quand même du travail, hein. Franchement, rien que déjà en peinture, il faut penser à faire la peinture avant, toute chose. Je vois aussi là qu'ils ont, je sais pas si on va le voir sur la caméra, ils laissent tel quel le bois. Si vous allez à Action, prenez le feutre, les feutres noirs comme moi j'utilise, c'est plus sympa et plus, ça fait plus fini je trouve. Les principaux que je me sers, c'est le marron et le noir. Comme ça, vous faites le tour. Et je trouve que quand même, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Fini de présenter. Et bon courage à vous si vous choisissez de faire les trois. Voilà, une très belle nouveauté qui vient de sortir de chez Action.